Minutieux, les salariés de Véninov continuent leur combat. L'usine qui fabriquait de la toile cirée a été placée en liquidation judiciaire la semaine dernière. Depuis, les 88 salariés menacés de licenciement se relaient pour, disent-ils, protéger leur site. On protège notre outil de travail pour éviter que ce soit démonté et puis que ça parte on ne sait où. Nous, on reste là. On a toujours l'espoir qu'il y ait un repreneur. Il peut y avoir des camions qui viennent du jour au lendemain et dire, eh ben, ou alors des huissiers qui disent, ben, nous, on met les scellés là-dessus. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien qui va sortir d'ici. Une délégation de salariés a été reçue par la préfecture ce matin, mais pour l'instant, la situation reste inchangée. Selon les syndicats, il faudrait 1 million d'euros pour faire repartir la production.